de nouveau internet du coup. Bonsoir. On se retrouve en Winners Round 1, premier match du jour, Snow and Fire contre Zekip. Zekip qui nous vient tout droit du Portugal. Et qui est venu nous. Zekip. Mais il y a déjà Kip. Donc là c'est. Je sais pas. Oh. Zekip, ah peut-être Zekip. Et là, avec le jeu qui nous montre, ce serait peut-être Zekip. Zekip. Non, oh le gros smash! Oh le saut! Oh le saut! Attention! Attention, on se met un fire! Attention! Oh! Oh! Libercède? Ah non, pas encore! Oh. Oh. Vous êtes en train de casser là, c'est ça? Ça casse là! Ouais, ça, ça, ça! On est back on stream! Aïe aïe aïe! Et la première game, oh, première game pour Zekip. Aïe 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 aïe. Du coup le verlet, on peut lancer le verlet. Donc comment le verlet fonctionne? Regarde bien. En gros. Let's go. Aïe 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 aïe, la production. Attends, attends, attendez les gars. Oh la production. Aïe 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 aïe. Oh la production. Ah. Ok, mais t'es obligé de garder, d'accord. À moins de si je change de perso, ça fera relou. Oui. T'es interdit, Daniel. Quand tu fais update, ça va se lancer tout seul. C'est juste très compliqué là-dessus. Bon, du coup, on va essayer de faire ça à peu près correctement. Bonsoir tout le monde. On est pour 11ème édition là. 11ème. Ouais, c'est de voir. On est reparti de nouveau de 20 000 personnes qui lisaient. 11, lisaient. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est la 11ème édition. Parce qu'on a pu être Grenoble. Voilà. Ville notorieuse pour les singes. Les singes de Grenoble. Les singes de Grenoble. Représenté parfaitement par notre cher compatriote Snow and Fire. Ah, bah, tout le monde. Ouais, du coup, Zekip qui vient du Portugal. Ah, ouais. C'est un super classement là-bas. On voit ici qu'il catch pas très bien les erreurs directement de Snowland. Voilà, les sauts comme ça, les remontées très hautes, il va aller les choper. Dès que son adversaire il est en bas, on a vu sur la game d'avant, il a essayé de choper de up B avec Smash justement, et voilà. Il y a une erreur, elle est catch direct. C'est pas un joueur à sous-estimer. Voilà, Snowman Fire est plus. Il est sponsorisé chez Asuki en tant que manager. Oui, oui. Voilà. Mais ouais. C'est bien, il fait des efforts pour jouer, il s'intéresse au jeu, c'est cool. Ah oui, voilà, hein. Donc c'est peut-être ton Berry, on le sait pas. Voilà, mais le futur ton Berry. J'espère pour lui. Ton Berry est chez Asuki aussi, on est d'accord. Hein. Mais ça, ton Berry et même Félix, je crois. Oui, Félix, ils ont pris, ouais. Tous les snakes. Ouais, ils sont des snakes de France. Thermogolf ou pas Thermogolf, je sais pas. Non, mais après, il est mineur, je crois. Thermogolf, je crois qu'il a 17 ans, du coup, peut-être que. Je sais pas, au niveau des gars, ça devait pas être encore ça. Ouais, ouais, voilà, prendre soit un joueur qui est mineur, c'est plus compliqué. Allez, le premier joueur est tombé ici, Echo, perd 2-0 pour Nougat. C'est vraiment une belle avance, hein. Très très belle avance ici de la part de Tricky, de Tikai. On lui demandera de Shulk. Snow il est un peu plus prudent. Ici ouais. Tout à l'heure on a eu la quête d'avant, des cross reads, OS Flash, etc. Tout à l'heure, la gamme elle a pris une stock, donc là je pense qu'il peut refaire pareil. Il va essayer de prendre une deuxième stock, mais. Il y a moyen, ce snake avec explosion 152%. Ouais. C'est ce que je disais, vous avez, voilà, ici, ce type il est vraiment très fort en Edgeguard. Il fait même pas un mode saut, il a juste fait gros buster. Ouais, voilà, et. Ça passe pas, de toute façon, il s'en fout le temps que ce snake il remonte, c'est compliqué. Vous parlez, hein, ça ici, tentative de catch, en remontée malheureusement au boss smash, non. Attention Snow, attention à ses sauts en désavantage. Ouais, mais le problème c'est ça, c'est que juste avant il s'est fait catch en remontant très bien du bas vers le haut. Et il a envie de sauter, c'est normal. Il a mode smash, attention. Il a tué ? Il a pas encore. Et putain, il a changé l'arc, juste avant de se faire éjecter. Ouais, ça va être t'amènes une chute quoi. Ouais, non mais bien vu parce que. Moi je pense qu'il se prend le nerf ou derrière le truc, il passe en mode shield, tu sais, il peut bien taper. C'est grave marrant. Oh non, non, non! Et ça, c'est une SD, la première SD de Fifa! Ah et GG du coup
Zekip alors. Ok. On se demandait comment on prononçait. Et du coup, qui remporte ce winner round 1, il était ici de combien alors finalement puisque... 2009, parce que... Ok, je pense qu'il fera top 8 en voyant jouer là ici, il capte très très bien les erreurs des adversaires. Si on joue pas proprement, il va faire du dégât. Donc, des joueurs comme moi, on sait ce qu'on vient y aller. On va se faire défoncer. Un stream Big Mama, un stream Fred. Écoutez, attendez, là, vous avez peut-être beaucoup de bruit. Il y a plein de matchs à lancer et des trucs. Et je... Allez, 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 rigolez plus loin. Quel stream de palu? Ok. Alors du coup on va voir Big contre Aspifouette avec Van Paloutenov, Aspifouette, un Donkey Kong et Fox hein, du côté de Big, à moins qu'il s'est mis à jouer Samus. Non, je vais jouer Pyramitra. Ok, il va jouer Pyramitra. Pas du tout. Quoi? C'est branché sur le carte. Ah, faut brancher sur l'écran. Ouais. Il y a un sur l'écran. Tu bouger ta bière pour éviter les catastrophes. Il doit te bière. Tu peux la poser là, on va pas trop passer. Elle met là, ouais, voilà. Alors, du coup, winner round 2 pour Big Aspifouette. Je regarde un petit peu le bracket. Il est là-dessus. Ça avance, ça avance. Ouais, même lui, t'es en train de faire tes chipotages. Let's go, let's go. On a AD5. Il y a AD qui est là, c'est cool. Ça, ici, Dougal qui a battu 2-0. Ah, Echo. Et du coup, si je gagne mon match, je jouerai contre Dougal. Donc, Dougal avec son Captain Falcon, c'est toujours fun de jouer avec lui. Il aime bien y aller, j'aime bien y aller. C'est trop cool. Hit 6, c'est qui au Fire Dragon? Ok, d'accord, ça marche. Oui, sur une année. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, du coup, j'ai pas vu. Non, le champ n'a pas encore été activé. Et du coup. Ouais, ouais, ils ont même pas encore fait les touches et tout ça. Oui, il faut que je fasse ça moi aussi. On va faire un peu de pub. En fait, elle capte très bien les voix, malheureusement, Nico, mais il capte bien les voix de la main. Du coup, excuse, t'es tout bon? Attends, il reste passé comme t'as la pédale, salut Bersi, tu me donneras 5 euros. Tu peux te lancer après, si tu veux. Attends quoi que, prête pas. Non, il y a fun à lancer. Désolé, on a un peu tous les consignes des Théo en même temps, puisque le Théo Desk fait aussi Stream Desk. Donc c'est normal. C'est normal, ça ira mieux au cours de la soirée, hein, tout simplement, quand les gens vont se déconnecter. En attendant, je fais un petit peu de pub et on est parti donc sur PS2. Ah oui, je suis en train de faire de la pub. Putain, fallait attendre. Putain, les mecs, ils veulent pas attendre l'animation. C'est un peu en retard là, c'est pas grave. Je fais la pub aussi après, pour le moment on n'est que un spectateur. Voilà, je copie le lien du stream en fait. Mais le baquet il a tué à quoi? 40? 50? C'était extrêmement violent. Donc Picon, voilà, il faut respecter les baquets. C'est quasiment le seul truc à respecter avec les couloirs morts. Allez, on est reparti du côté malheureusement de Big qui n'a pas réussi à capitaliser au maximum son avantage tape. Et je pense que c'est ce qu'il va devoir faire parce qu'il va rattraper 7 stocks de retard. Enfin, 7 TETDE et pas 7. Et du coup, ici. Il faut respecter ici. Voilà, il va devoir être tout simplement extrêmement prudent et extrêmement propre hein, dans son désavantage tape parce qu'on a bien vu 2 erreurs. Enfin, pas 2 erreurs, simplement 2 belles prises d'avantage de l'ami à Speedfight. Et c'était 2 stocks rapidement prises comme genre. Voilà, il y a une minute de jeu, c'est ça que je cherchais le timer. Il va pas tuer ici, Big malheureusement, il n'a pas réussi à trouver. Il reste sur le terrain, il a bien raison. Malheureusement, le net qui va l'envoyer à Peta Oshlock, mais il trouve un smash. Et la première stock est enfin prise 90%. On a vu 90%, c'est suffisant pour trouver le kill move. On va voir ici, Big, voilà, il est un peu plus dedans. Je pense que c'est le début du tournoi aussi, il faut le temps de s'y mettre.
fais attention plus à Zen, qui est beaucoup, beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Et il ne prend pas de coups. Parce que le donner est pris, il attend, il va pas dehors, il a bien raison encore une fois. Le faire into a pair, malheureusement, ça ne connectera pas, le nerf lui met en désavantage et ça va. Backflip foutre Donkey Kong dehors et. Ouh le spike était pas loin. Le spike était pas loin du tout, grap qui passe pas et c'est la fin. Ouais, c'est la fin ici. Très très bien vu ici, Big qui s'est fait surprendre, je pense. La dernière stop était plus forte. Hein. C'est son premier match de la journée, je pense. C'est son échauffement aussi. Hein. Mais quand mais voilà, Slipette a mieux joué en plus sur le détail, sur prendre. Bah, la profiter des passes davantage. L'ascendant mental a été pris bah, tout de suite. Hein. De toute façon, quand tu commences ta game et qu'en 20 secondes, tu prends une stock à quoi, à 40%, ça fait extrêmement mal. Allez, du coup, on est toujours sur PS2, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Toujours sur PS2. C'est parti. Et pour le moment, Big Ici va tenter un petit blaster. Donc, c'est la preuve que je vais rester un petit peu plus à distance. La chatte a pris tout Bakker, ça fait du plastique. Heureusement, le bien Bakker n'est pas passé, mais on a eu un zone B. Into le grab, bien vu de la part de Big Ici qui a temporisé un petit peu cette remontée. Et il a pas été piégé cette fois-ci. Allez, du coup, on est parti. Maintenant, c'est Big qui a l'avantage. Il continue. Malheureusement, c'est pas continué. C'est pas grave. Beaucoup de dash attaque, malheureusement. Heureusement, c'est pas puni. Le grab bien trouvé avec un upper ici. Bien vu la dodge pour ne pas se faire tuer. Je pense que le upper ici touché, c'était la stock. Hein. C'était la stock à ce pourcentage-là. Fox, il est extrêmement léger. Voilà, parfait ici de la part de Fox, de Big. Qui... Non malheureusement, qui était bien patient. Et la read de l'ami Aspifouette pour prendre encore une fois une stock très très rapidement. Allez, du coup, il va falloir trouver un petit setup hein, de la part de Big pour pouvoir trouver le kill. Il l'a trouvé ou pas? Non, dommage, il n'a pas tenté de donner une bonne smash. Ni un coup pour. Mais genre, ça l'a. À cause de map, les gars, ça l'a failli tuer. Hein. C'est vraiment super fort, très bien vu ici de sa part. Le backer en zoning, tout simplement. Ça va être compliqué, malheureusement. S'il ne prend pas une stock rapidement ici, Big, ça va devenir vraiment difficile. Ça ne toujours pas. Double touche sur le premier hit. Aspipoet l'avait vu, hein. C'est Salmé, Aspipoet l'avait vu. Et ça a été chaud. Ça a été chaud, il était un peu trop vite, mais on a senti que Big, encore une fois, avait été read. Un petit optique, c'est pas passé. C'est dommage, je pensais que c'était tout ça. Pas spécialement. Ah, par contre, ça a été bien le numéro. Il y a malheureusement ici la dash dance qui est tout simplement read avec un gros clap de famille. Et là, ça fait déjà voilà, 35%. Surtout avec Fox Donkey Kong, hein, genre on a bien vu, voilà, il peut mourir mais tellement, tellement vite. Et à ce point, il peut tenter maintenant ici des grosses, grosses reads. Il a un bel avantage. Mais Big ne va pas se laisser faire. Double touche, encore une fois, dommage. Ici, l'avantage qu'est-ce qui s'arrête pour Big. Et même qu'il se retourne, tout simplement, il est au ledge, il est bloqué. Le grab ne passe pas tant mieux. Le Don't Tilt qui est sorti assez tôt. Le smash qui est comme ça juste avant. Le backer qui a sauvé Big. Hein. Malheureusement, le nerf lui enverra du mauvais côté. J'ai cru que c'est la fin, ça. Un Don't B, Don't B up smash, c'est la trouille. Ah, bon, pas de prêt de manette, les gars. Bien vu ici, Big, c'est parfait piégé. Et du coup, il est bien patient, il prend pas de risque, il a bien raison. Le grab, tu vas donner juste le F-Pro, ok, pas de F-Pro. Et pour le moment, Bakker, les grands pieds de Donkey Kong, de singe, malheureusement, Bakker ne sort pas, non, donc on fait une F-Pro cette fois-ci. Et GG ici à l'ami Aspifouette qui remporte le match. Je cherche le lien de Smash GG. Twitch. Hop là. Comment on fait? Je suis en train d'essayer de choper le lien Twitch. Ah. Non. Toi, tu vas jouer plus longtemps, à mon avis. Hop. Bon bah débat. Hop et voilà la pub est faite, ce sera tout de suite bien bien mieux. Bah du coup je fais comment pour lancer le bordel le visuel. Et en fait je suis juste sur Wiki Versus après avoir update ça. D'accord ok. Du coup Pikachu, quel skin mon cher débattable Avec le chapeau rigolo. Le bleu? Je peux faire bleu, ouais. Ouais, le bleu. Le skin bleu. Et du côté en face, c'est qui du coup?
C'est... Ton pseudo, c'est comment? Et tu joues? Quel perso? Et quel skin? Ok. Tiens, je suis moi non plus, je recherche le fou. Mais c'est Dathan qui est pas là. Il est là. Il est là. Avec un Y. Ok. Et donc on est en Winner Round 2 ici avec des battables et son Pikachu du coup, des battables qui a décidé de changer là. Un peu marre de Zelda, c'est ça? Voilà, bah ça arrive, hein, ça arrive. Alors, merci, mais alors cet avis est subjectif, hein. Cet avis est subjectif, tout simplement. Zelda n'est pas forcément nul, mais débattable à tout bout. Voilà. Et donc débattable qui passe sur Pikachu et donc qui va affronter l'ami Rinpio avec son Falco. On va voir comment ça va se passer tout ça. Et c'est des maps random, d'accord. Ça marche, ça marche. Du coup, je regarde aussi comment on fait. Il y a juste à switch la scène, ok. Ça demande en même temps hein, les configs. Et, c'est pas ah oui. Desberry, ça m'est fait. C'est qui a gagné? Desberry 2-0. Il y a un setup de libre ici, c'est ça? Il y a un petit activé et ça me va. Comme ça, je peux jouer où je peux.